Donc voilà, je suis en train de boire le. J'ai pris exceptionnellement un petit. Voilà, petit café. Et il a fallu que je me lève pour aller chercher quoi? Une serviette. Oui, la personne ne m'a pas amené la serviette. On vous amène le café, on ne vous amène pas la serviette en papier. Voilà. Il va dire oui, c'est pas grave, mais on est censé quand même. Je sais pas, moi, quand j'ai travaillé, je suis désolée, mais on a amené le papier. Bon, bref. Il y a du laxisme, je vous le dis, moi, du laxisme. Le travail n'est pas fait comme il faut. On m'amène juste la sous-tasse avec le café, la cuillère, un sucre et pas de serviette. Il faut que j'aille me lever pour chercher ça. Bon, bref, passons. Donc, j'ai dit à mon docteur, il faut qu'elle mette de l'huile essentielle de lavande. Alors, tous les docteurs, mettez de l'huile essentielle de lavande dans la salle d'attente avant que les patients arrivent. Et j'essaie de tenir le plateau comme je peux. Moi, je vais chercher un petit plateau. Et puis, dans votre cabinet. Oui, alors vous en avez aussi en spray. Voilà. J'ai du mal à. Attendez, je vais peut-être tenir que l'appareil. Voilà. En spray, vous en avez en spray aussi. Alors, bien sûr, il ne faut pas mettre sur les plantes. Hein. Vous les mettez dans les coins de votre cabinet et de la salle d'attente. Oui, oui, parce que ben, tous les microbes, ils sont partout. Alors mon docteur m'a dit, oh non, je ne vous serre pas la main parce que le docteur est malade. Je dis, bon docteur, qu'est-ce que vous voulez que je vous prescrive? Alors je lui ai donné mon petit conseil du jour. Voilà, de l'huile essentielle de lavande. Et le docteur en avait entendu parler. Il me dit, ça tue les microbes. Je dis, oui, il faut le faire. Puis mon docteur, avant de repartir, j'allais encore lui cirer la main. Moi, finalement, c'est ce qu'on fait. Ah, mais non, fuyez. À cause des microbes. Mais moi, je lui dis, mais docteur, ils sont partout, les microbes. Hein. Vous les avez partout. Hein. Combien de fois, moi, j'ai fait la bise aux gens que je connaissais. Alors, ils avaient le rhume, la grippe et tout. C'est pas un souci ça. Non. Donc, alors j'ai demandé. Alors, de l'homéopathie, je vais vous dire ça. L'homéopathie pour la grippe. Alors, il faut demander à votre docteur. Bon, j'avais déjà acheté à la pharmacie, mais j'avais oublié mon ordonnance de ce que j'avais acheté. Donc du coup. Du sérum de hyacinthe, voilà, et du, je sais pas comment ça s'appelle, alors, sérum de hyacinthe, 15CH, et du influenzyme, zinium, 15DH. Voilà, vous demandez à votre docteur l'homéopathie pour la grippe, voilà, et ça fonctionne très bien, d'ailleurs elle me l'a dit, ça fonctionne très bien. Je sais que je ne prends pas le vaccin. Vous savez que le vaccin, il y a trop de produits dedans. Ils sont très très nocifs pour le cerveau, comme l'aluminium et tout ce qui s'en fout. Donc, il ne faut pas l'acheter. Donc voilà, moi je prends l'homéopathie, ça fonctionne très bien. Plus en spray, je prends de l'huile essentielle de lavande que j'en mets chez moi et ça me permet de ne pas tomber malade. Voilà. Alors ça, c'était mon petit conseil du jour que j'ai donné à mon docteur. Bah oui, de temps en temps. Bon, ben voilà, moi je vais finir mon kawa tranquillement. Je fais ma pause de café